Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette courte vidéo où je vais vous proposer de réaliser un esba. Mais qu'est-ce donc qu'un esba ? Un esba, tout simplement, c'est une célébration que l'on va faire pendant les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Parfois aussi lors des premiers et des derniers quartiers, c'est vraiment en fonction de votre envie et de votre dévotion par rapport à la lune. Un sabbat va être plutôt une fête majeure, vous les connaissez, les sabbats, ils sont au nombre de 8. Et pour les esbas, on va en avoir 13 au total qui vont correspondre à tous les cycles lunaires. Vous pouvez choisir bien sûr le vôtre, soit vous pouvez célébrer la pleine lune ou la nouvelle lune, ou les deux, vous faites vraiment en fonction de votre envie. Là, je vous proposais un petit rituel vraiment extrêmement simple, vous n'avez pas besoin d'avoir grand-chose. Après, comme d'habitude, c'est ma façon de faire, hein, ce n'est pas la vérité, donc vous êtes libre, bien sûr, d'adapter ce que je vais vous montrer et de le faire à votre sauce, d'accord ? Avant de commencer notre petit rituel, j'avais envie de tirer deux petites cartes de mon oracle des sigils mystiques. Donc vous regardez, j'ai mis une petite boule de sélénite avec le signe du taureau, puisque pour ce 19 novembre 2021, nous célébrons la pleine lune en taureau. Alors, pour l'oracle des sigils mystiques, j'ai eu le sigil de la polarité et de l'altération, et le sigil de la direction et de l'orientation. Et là, tout de suite, pour moi, le message, il est clair. Il nous dit que pour cette pleine lune-là, il est temps d'inverser la vapeur. Si vous avez pris une voie, si vous êtes engagé sur un chemin, si vous avez pris certaines décisions, si vous avez fait certains choix, peut-être que ce ne sont pas les meilleurs que vous avez faits et qu'il faudrait revenir en arrière. Alors, quand on se dit revenir en arrière, malheureusement, on ne peut pas revenir dans le passé. Mais en revanche, lorsqu'on est juste sur le début de quelque chose et qu'on s'aperçoit qu'on est en train de faire une erreur, il est encore temps, avant que les choses prennent trop d'ampleur, il est encore temps de reculer, de faire machine arrière et de prendre une autre option. Et c'est vraiment ce que cette énergie est en train de nous dire pour cette pleine lune-là. C'est que la décision que vous avez prise, la relation dans laquelle vous êtes ou le chemin que vous avez emprunté n'est peut-être pas la meilleure pour vous et il est temps de renoncer, d'en prendre conscience, d'ouvrir les yeux et d'inverser la vapeur, de faire machine arrière avant que les choses prennent beaucoup trop d'ampleur et prennent même une évolution que vous ne pourrez plus du tout maîtriser. Maintenant, pour notre petit rituel, je vais utiliser l'ode qui est issue du livre « Champ de pouvoir » de Julien Miavril et Gulliver l'aventurière. Je vous en ai parlé, je vous ai fait la review, je vous invite à aller la consulter. C'est vraiment un très bel ouvrage que j'aime beaucoup, qui m'accompagne vraiment dans chacun de mes rituels, puisqu'il propose toute une gamme de poèmes d'invocation qui va venir compléter vos rituels et qui va vraiment venir s'adapter en fonction de vos croyances, de vos convictions, de votre panthéon, de vos déités, les divinités que vous avez décidé de choisir, de croire et de prier. Il y a une très belle invocation à la lune, justement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va réciter cette prière pour la lune. Mais avant, on va mélanger deux, trois petites choses dans notre chaudron. Pour cela, je vais commencer par du sel. Du simple sel, encore une fois, comme je vous le dis souvent, vous n'êtes pas obligé d'acheter du sel spécial, du sel rose d'Himalaya, du sel noir d'Himalaya, etc. Surtout quand on sait dans quelles conditions ce sel est extrait. Il a rien de magique, hein. Croyez-moi les amis, il a absolument rien de magique et il apportera rien non plus à vos rituels. Du simple sel fin de cuisine, hein, de la mer, vous prenez la baleine, ça fonctionne très bien. Si vous voulez un sel qui soit un petit peu moins raffiné, un peu plus naturel, vous prenez à la rigueur une fleur de sel, mais du sel reste du sel, d'accord ? Le sel va représenter le corps, la purification. Le sel, c'est un élément qui est rattaché à la terre. Donc mettre du sel dans tous ces rituels, c'est une bonne base pour représenter l'élément de la terre. Ensuite, on va prendre de l'eau, puisqu'effectivement, c'est une nuit propice pour faire de l'eau lunaire, ce que je vous invite vraiment à faire. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite rivière qui coule juste à côté de la maison et par conséquent, c'est une eau qui est littéralement irradiée par la pleine lune tout au long de l'année. Par conséquent, c'est une eau qui va déjà être lunaire. En plus, c'est une eau qui court, c'est une eau naturelle. C'est une rivière qui n'a aucun barrage, qui n'a rien du tout, donc elle est vraiment dans son état naturel absolu. L'homme ne l'a pas transformée au fil des siècles, donc c'est vraiment un élément qui est naturel le plus possible. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir une eau, moi, je vous conseille toujours de prendre une eau qui soit la plus naturelle que possible. Je suis pas trop fan de l'eau du robinet, donc éventuellement dirigez-vous vers une eau de source en bouteille, même si là aussi il y aurait des choses à dire, on est bien d'accord.
Prenez à la rigueur plus une eau de source naturelle plutôt qu'une eau qui sort du robinet, parce que malheureusement, il y a encore des canalisations en plomb, en cuivre, etc., qui peuvent venir irradier l'élément de l'eau, qui peuvent venir la charger en ions et lui attribuer certaines énergies résiduelles qui ne sont pas forcément très bonnes. Donc voilà, moi, c'est juste mon conseil. Bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Si vous n'avez pas d'autre eau à disposition, vous prenez de l'eau du robinet, il n'y a pas de souci. Et cette nuit, vous allez donc pouvoir faire de l'eau lunaire. Donc ma méthode à moi par exemple c'est dans un bol tibétain, après vous prenez un saladier, vous faites ce que vous voulez là encore une fois, je vous livre ma méthode. Vous allez dans un bol tibétain mettre votre eau que vous aurez récoltée, donc le mieux c'est de prendre une eau qui soit directement dans la nature, une source naturelle, une rivière, un lac, la mer, n'importe quoi, une eau qui soit naturelle, qui vive dans son état naturel. Vous allez la verser dans votre récipient, donc moi je prends un bol tibétain, pourquoi? Parce que j'aime bien charger mon eau avec les ondes du bol tibétain. Donc je vais m'amuser à faire vibrer mon bol tibétain une fois que l'eau est à l'intérieur et je vais ainsi comme ça la charger avec déjà certaines propriétés sonores. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous voulez, placer une pierre à l'intérieur, comme par exemple un cristal de quartz blanc, une labradorite. Personnellement, moi, je vous conseille plutôt de partir sur un quartz blanc classique. Ça permet d'amplifier l'énergie. Hein. Ben, voilà. Si vous n'êtes pas trop, si vous êtes un peu mal à l'aise dans l'univers de la lithothérapie, ne prenez pas de risque. Vous partez sur un bon cristal de quartz blanc et ça fait très bien l'affaire. Pas de sélénite, hein, on est d'accord. La sélénite, c'est du sel. Et si vous mettez de la sélénite dans de l'eau, elle va faire un petit peu la tête, votre pierre. Donc on évite la sélénite dans l'eau. Hein. Vous mettez toutes les pierres que vous voulez. 80% des pierres résistent assez bien à l'eau. Mais il y a certaines exceptions, dont la sélénite, qui n'aime pas l'eau. Donc on évite. Et une fois donc que vous avez votre préparation, vous placez le tout sous la lune, tout simplement, toute la nuit, et ça va permettre de charger votre eau lunaire. Et ensuite, l'eau lunaire, eh bien, c'est un produit qu'on va pouvoir utiliser pour faire plein de choses, purifier les outils, les nettoyer, se nettoyer le corps quand on fait des bains rituels, des choses comme ça. On va pouvoir communier avec, hein, si c'est une eau potable, vous allez pouvoir la boire. C'est une sorte d'eau bénite aussi, donc on va pouvoir chasser les mauvais esprits, on va pouvoir nettoyer la maison avec. Bref, vraiment, l'eau lunaire, c'est comme l'eau bénite. On peut faire beaucoup de choses. Elle a beaucoup de vertus et beaucoup de propriétés. Donc, on va en placer dans notre chaudron. L'eau est un élément essentiel puisque on est composé à plus de 60% d'eau dans notre corps. Donc, c'est un élément qui vraiment trône dans notre vie. Sans elle, nous ne sommes rien. D'ailleurs, hein, 3 jours sans boire et nous mourrons. Donc, ça prouve à quel point nous sommes dépendants de l'eau. L'eau, vraiment, je vous invite à l'utiliser dans chacun de vos rituels puisque c'est à la fois votre représentant, c'est votre énergie vitale, c'est notre énergie vitale, c'est un élément qui est vital à toute forme de vie sur Terre. L'eau est également une bonne conductrice et il faut savoir que l'eau, c'est le seul élément parmi les quatre qui est une sorte de portail entre le monde des vivants et le monde des morts. Hein, dans beaucoup de folklore, dans beaucoup d'histoires, on retrouve des eaux, des fleuves magiques, etc., etc. Si je prends dans les mythes arthuriens, hein, la Dame du Lac, Excalibur qui sort de l'eau, etc., etc. Si je prends le fleuve du Styx qui permet de rejoindre le monde des morts et l'enfer, etc. Dans tous les folklores, on retrouve toujours de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable et qui est primordial. N'hésitez pas, à chaque fois que vous placez un ingrédient dans votre chaudron, à faire une petite prière. Comme par exemple pour le sel, pourriez dire tout simplement sel, élément de la terre, puisses-tu m'apporter ton énergie grégaire. Enfin, vous essayez de faire des rimes si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, sinon vous faites juste une petite prière, vous dites quelque chose qui vous inspire à ce moment-là, et puis voilà. Pareil pour l'eau, vous pouvez très bien dire élément de l'eau, énergie vitale, fluide vital, dans mon corps tu coules. Voilà, des petites choses comme ça. Vraiment, vous prenez pas la tête, hein, vous laissez porter par les énergies. Ensuite, vous pouvez bien sûr brûler un petit peu d'encens. Alors, vous pouvez brûler soit carrément des plantes séchées, comme par exemple de la sauge, c'est très bien. Vous pouvez aussi brûler du romarin ou du thym, c'est aussi très très bien. Vous pouvez brûler un petit peu de palo santo aussi, hein, c'est pas mal aussi. Alors, le palo santo, je sais que tout le monde n'est pas fan du palo santo, et c'est vrai qu'il y a un gros débat sur le palo santo.
qui est malheureusement extrait dans des conditions là aussi plus que déplorables, hein, parce que le Palo Santo c'est un bois qui est sacré à la base, et les chamans en extrayaient quelques petites quantités, hein, mais les chamans ils étaient en communion avec la nature à l'époque, donc ce qu'ils prélevaient n'abîmait absolument pas la nature, que là aujourd'hui il y a une extraction industrielle absolument épouvantable autour du Palo Santo. Donc voilà, si par question d'éthique vous ne voulez pas utiliser de Palo Santo, il n'y a pas de problème, n'utilisez pas de Palo Santo. Hein, puis comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien brûler des petites plantes séchées, vous pouvez brûler un bâton d'encens si vous n'avez rien d'autre, ou de l'encens en grain si vous voulez. Il vous faut, si possible, hein, comme je vous le dis souvent, dans un hôtel, c'est bien qu'on retrouve les quatre éléments, et voire même les cinq éléments. Et même plus, je vais vous expliquer ça. Il faut bien sûr la présence de l'air, du feu, de la terre et de l'eau. Donc l'air, vous pouvez l'avoir de plein de méthodes possibles, à savoir avec l'encens, vous pouvez mettre des plumes sur votre autel. Pour la terre, eh bien je pense que vous avez suffisamment de choix entre les pierres, les eaux. Alors les eaux, c'est un. Vous verrez, c'est un objet qui est un petit peu particulier parce que les eaux d'animaux que vous pouvez trouver en pleine nature, je vous conseille aussi d'en avoir, c'est très utile pour faire certaines formes de magie. Pas forcément blanche, mais pas que. On peut aussi, bien sûr, on peut aussi. Mais si on est chaman et druide, c'est vrai que les eaux sont vraiment très intéressants pour travailler dans l'univers de la magie. Donc, vous pouvez mettre soit des plumes ou encens pour l'élément de l'air. Pour la terre, comme je vous l'ai dit, soit des pierres, des eaux. Vous pouvez mettre le pentacle, qui bien sûr est le représentant de la terre. Hein. Vous pouvez mettre du sel, vraiment, là, faites-vous plaisir. Vous pouvez même mettre du bois. Mais attention, le bois, il fait partie des éléments spirituels orientaux, asiatiques, hein, puisque en Asie, on va retrouver cinq éléments spirituels qui vont être le feu, l'eau, la terre, le bois et le métal. Donc par conséquent, si vous mettez du métal et du bois, et que pour vous ça fait office de l'élémentaire, vous n'avez pas tort, c'est pas faux, hein, c'est pas du tout faux, hein, mais ça peut être aussi interprété comme énergie des éléments spirituels, ok? Moi j'ai essayé de tout mettre, justement, les quatre éléments classiques européens, les cinq éléments spirituels et les cinq éléments aussi européens, à savoir la terre, le feu, l'eau. Et l'air, et puis l'esprit qui va être représenté par mes crânes, par ma déité. Voilà, c'est important aussi d'avoir une représentation de l'akasha. Ok? Donc, vous mettez votre petite eau, vous faites brûler vos petites plantes, vous essayez vraiment de vous mettre dans une ambiance détendu, vous essayez de communier avec les esprits naturels qu'il y a autour de vous, vous essayez de ressentir l'attraction de la lune aussi, sa force, hein, son énergie, vraiment, vous vous laissez absorber par son énergie. Et lorsque vous êtes prêt, on va pouvoir donc réciter notre petite prière. Là, je vous propose celle-ci qui est issue de ce livre. Bien sûr, vous êtes libre d'écrire la vôtre aussi, de vous laisser porter par vos propres intentions. Vous pouvez écrire votre propre prière. Vraiment, là aussi, sentez-vous libre, hein. Je ne vous propose pas cette prière pour vous faire acheter le livre. Si vous le voulez, c'est pour vous, mais sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie. D'accord? Ô lune, notre sœur stellaire, nous t'invoquons en cette heure où, pleine et irradiante de lumière, tu invites chacun de tes serviteurs à célébrer ton pouvoir supérieur. Par ta force infinie de transformation, ton éclat royal qui brise toute limitation, ton énergie qui magnétise notre sang, et par ce brasier fertile gouvernant, déraine de feu la magique initiation. Ô lune, notre sœur stellaire, nous te louons d'être cette messagère qui plonge dans nos gouffres intérieurs, dans nos rêves et nos vies antérieures, pour en extraire la divine lumière. Notre cercle alors par un chant nous ouvrons, un chant porté par le souffle des célébrations, et ensemble nous voilà tous ivres communiant, la danse sauvage et sacrée des esprits exécutant, et tout le ciel, ô lune, assiste alors à notre union. Amen. Et là, vous vous laissez un petit peu absorber par les énergies de votre esba, hein, c'est important. Et c'est aussi le moment pour formuler des vœux, puisque la pleine lune est en train de marquer un cycle. On a les énergies qui sont à leur apogée. Maintenant, on va avoir des énergies qui vont décliner. Donc, c'est un moment très, très propice pour faire toute forme de magie. Magie blanche, magie noire, spiritisme, activation des pouvoirs, éveil du pouvoir, méditation, communication, etc., etc. C'est vraiment le moment le plus propice pour faire toute forme de magie. Et lorsque la lune va commencer à décroître, eh bien on va plutôt s'orienter sur des magies de décroissance également. Je vais vous citer un exemple très concret, vous allez comprendre.
Parlons santé. Vous voulez faire un rituel pour la santé. En lune montante, vous allez faire des rituels pour augmenter la santé. En pleine lune, vous allez faire un rituel pour vraiment détruire la maladie, etc., et que la personne puisse guérir. Et en lune décroissante, vous allez faire des rituels pour diminuer la maladie. Et ainsi, ça permet de faire un cycle complet sur la santé. D'accord ? D'un côté, on augmente quelque chose de positif, et de l'autre, on diminue quelque chose de négatif. Et bien sûr, après, la lune noire, la nouvelle lune, eh bien, c'est un petit peu un œil qui est fermé. Donc, autrement dit, pendant les nuits de nouvelle lune, c'est un peu comme la nuit de Samhain, où on va pouvoir faire, eh bien, des choses pas très propres, pas très catholiques. Vous allez pouvoir vous adonner au rituel de magie noire, bien sûr, au spiritisme, Ouija, etc., tout ce que vous voulez. Il n'y aura peu de conséquences, puisque cette nuit-là, eh bien, la lune ne vous voit pas. Et quand, un proverbe qui dit « Lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent ». Et ensuite, lorsque vous avez terminé votre esba, vous n'avez pas besoin de faire ça pendant 2 heures. Très concrètement, vous faites ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure si vous voulez. Si vous avez des vœux à faire, des petits rituels particuliers, etc. Vous pouvez le faire toute la nuit aussi si vous voulez. Comme c'est un esba, vous pouvez faire aussi une petite fête, faire un petit repas particulier pour l'occasion. Inviter vos amis, vos proches, vous faites un petit repas à l'occasion, voilà. Vraiment, c'est une sorte de mini-fête, une petite fête. C'est quand même sympa la magie, parce qu'au total, on a 8 grandes fêtes, on a 13 petites fêtes, donc ça en fait quand même des occasions pour faire la fête durant toute l'année. Et ensuite, bien sûr, vous n'oubliez pas votre cercle, ça c'est important, je ne voulais pas préciser, parce que je pense que depuis le temps que vous me suivez, vous savez qu'il faut faire un cercle de protection avant de commencer. Le cercle de protection, il se dessine vraiment physiquement, soit avec du sel, avec une craie, vous pouvez le faire mentalement, avec votre baguette, votre atamé, etc., tout ce que vous voulez. Et pour terminer votre cercle, vous pouvez utiliser votre balai de sorcière pour nettoyer. Si vous avez mis, par exemple, si vous avez dessiné un cercle avec du sel, vous utilisez votre balai pour enlever le sel, ou mentalement, ou avec votre atamé, vous allez venir couper comme ceci le cercle. Vous allez vous tenir devant votre cercle et vous allez venir couper, trancher votre cercle, ce qui permettra de pouvoir l'ouvrir. Et ensuite, profitez de votre nuit et soyez dans la grâce, dans le remerciement et dans la bénédiction. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.